Bienvenue, nous sommes lundi 1er août 2022, journée nationale dédiée aux parents et aux défunts, occasion pour les Congolais de célébrer les sacrifices des parents envers leurs enfants et d'autres familles se mobilisent pour se recueillir devant les tombes des êtres chers, moment des souvenirs douloureux, mais aussi celui d'effectuer quelques travaux d'assainissement de l'environnement immédiat. Des cimetières et tombes en nouvelles. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de procéder à la remise des 80 véhicules, dont du gouvernement de la République démocratique du Congo, aux professeurs émérites d'université publique de la RDC. La cérémonie a été retransmise en direct sur les antennes de la télévision nationale congolaise. Nous y reviendrons avec détails dans nos prochaines éditions. Sécurité, drame hier à Kasindi, la frontière RDC-Ouganda, 2 morts et plusieurs blessés par balle. Tel est le bilan de la situation de la frontière RDC-Ouganda. Au Nord Kivu, les casques bleus de la MONUSCO ont tiré à bout portant avec balles réelles sur la police commise à la garde de frontière et aux agents de la DGM. Leurs convois qui provenaient de l'Ouganda ont refusé de se conformer au contrôle des frontières. Les auteurs de ces drames sont aux arrêts et les gouvernements de la République condamnent cet acte qui accentue l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Blaise Bokoka dans ses commentaires. Regardez. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui à la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. La mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo se métamorphose en mission pour la déstabilisation du Congo. Nous sommes à Kasindi, dans la province du Nord Kivu. Tirer à bout portant tout simplement parce que les services des frontières ont demandé à la MONUSCO venue de l'Ouganda de remplir les formalités, cela dépasse tout entendement. Une boucherie humaine des Congolais s'en est suivie. Le personnel soignant débordé. Le sang des Congolais a trop coulé. Et si la MONUSCO, qui est censée apporter la paix, s'invite à déstabiliser une partie de la République démocratique du Congo, cela bouleverse toutes les consciences et prises de paix. Et puis ces communiqués du gouvernement avant de poursuivre ce journal. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a appris avec consternation l'incident grave qui s'est produit ce dimanche 31 juillet 2022 au poste frontalier de Kasindi entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Il condamne et déplore vigoureusement cet incident malheureux dont les bilans provisoires fait état de 2 compatriotes décédés et 15 autres blessés à la suite de coups de feu tirés par des casques bleus des contingents de la brigade d'intervention de la MONUSCO en provenance de l'Ouganda et de leur passage en force à la frontière. Le gouvernement présente ses condoléances aux familles éplorées et exprime toute sa compassion aux blessés. Il les rassure que des dispositions requises sont en cours pour assurer la prise en charge matérielle et judiciaire consécutive. À ces drames, le gouvernement, conjointement avec la MONUSCO, a initié une enquête pour établir les responsabilités, connaître les motivations d'un tel forfait et obtenir des sanctions sévères à l'encontre des casques bleus à la base de ces drames qui sont du reste déjà aux arrêts. Il souligne que les casques bleus
concernés ne pourront plus de ces faits faire partir des contingents de la MONUSCO en attendant l'aboutissement du plan de retrait de cette force onusienne de la République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République démocratique du Congo appelle au calme la population congolaise en général, en particulier celle des Kassindi et de toute la province du Nord Kivu, et rassure qu'il veillera à ce que pareil incident ne se reproduise plus jamais à l'avenir. Fait à Kinshasa le 31 juillet 2022, Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement. Manifestation anti-MONUSCO à Bukavu, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le secrétaire général adjoint en charge des opérations de maintien de la paix. Les deux personnalités se sont revenues sur le récent incident malheureux entre la population et la MONUSCO dans la partie est de la République démocratique du Congo. Pierre Kibambeso Moïsa, dans ses reportages. L'entretien a duré plus d'une heure. Nous sommes venus rendre hommage aux victimes congolaises et onusiennes fauchées lors des derniers incidents malheureux survenus dans l'est de la RDC, a indiqué le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, au sortir des échanges que sa délégation venait d'avoir le samedi dans la soirée avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine. Tout en condamnant ces événements, Jean-Pierre Lacroix a indiqué que l'ONU entend poursuivre la mission en collaboration avec la RDC tout en renforçant la capacité des actions pour plus d'efficacité. C'était une occasion aussi de parler de la manière dont nous pourrions tirer les leçons de ce qui s'est passé et travailler ensemble pour que ça ne se reproduise plus et pour que le travail commun entre les autorités congolaises, au service desquelles, évidemment, est la MONUSCO et la mission, et la MONUSCO, soit renforcée, que la coordination soit plus régulière, plus fluide, de manière à ce que, ensemble, nous soyons plus efficaces au service des objectifs des autorités congolaises. Et de ce point de vue-là, il y a une très grande disponibilité de la part de son Excellence le Président de la République, et je l'en remercie. J'ai tenu à saluer aussi son engagement dans les efforts régionaux, qui sont très importants, évidemment, dans le contexte de la crise qui caractérise actuellement la région, les tensions régionales qui se sont renforcées ces derniers temps. Et le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, qui a pris part à cette entrevue aux côtés du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, du directeur de cabinet du chef de l'État, Guylain Nyembo, et du mandataire spécial, Serge Tshibangu, a dit que le chef de l'État a fait part à la délégation onusienne des frustrations de la population congolaise. Le président de la République a été franc et sincère pour apporter la frustration du peuple congolais au regard des dernières déclarations, mais aussi par rapport à l'évolution sur le terrain, parce que l'élément déclencheur de tout ceci, c'est l'agression dont est victime la RDC à travers le Rwanda et l'M23. C'était aussi l'occasion de regarder ce qui n'a pas marché finalement dans le partenariat, parce que dans un partenariat tout n'est pas forcément rose. Évidemment, il y a eu des petits soucis de communication, mais c'est des choses qui seront réglées, parce que c'est l'avenir qui est le plus important. Pour les événements qui sont passés, il y a un engagement clair, et le président de la République a insisté dessus, que des responsabilités devraient être établies rapidement pour que nous puissions être fixés sur ceux qui ont été à la base à la fois de la mort des Congolais et des casques bleus, de sorte que cette question puisse être réglée, mais que par la suite, le président de la République a redit, conformément à ce qu'il avait partagé hier dans sa communication au Conseil des ministres, la volonté de la République démocratique du Congo de continuer son partenariat stratégique avec les Nations Unies. L'ONU entend renforcer la coopération avec les forces congolaises de sécurité, protéger la population, faciliter l'aide humanitaire, a renchéri le secrétaire général adjoint Jean-Pierre Lacroix.
Les morts enterrés au cimetière des Kintambo et de la Gombe reposent dans un environnement malsain. Visiblement, ces deux cimetières sont en état de délabrement très avancé. À Kintambo, par exemple, certains tombeaux ont été détruits et d'autres sont devenus des lieux de repos en cette journée. D'autres souvent désagréablement surpris de voir les tombes de leurs proches spoliées. En tout cas, Kinshasa a ses particularités. Le territoire des Bondo dans le Bazouélé a désormais sa propre morgue publique. Cette chambre moderne de conservation des dépouilles a été construite sur fonds propres du gouvernement provincial. La cérémonie inaugurale est intervenue dernièrement en présence de plusieurs autorités politico-administratives de cette entité. Reportage. Un fils digne de la province du Bazouélé et du véritable élu du territoire de Bondo, l'honorable prince Ibrahim Lengou est venu d'abord pour l'inauguration de la toute première morgue moderne et gratuite financée sur fonds propres. Merci d'abord à la Premier ministre. Merci. Je remercie le Premier ministre ainsi que toute la délégation qui nous a accompagnés jusqu'ici. Je remercie la population de Bondo et tous les chefs de chefferies. Merci, Nabachev de Cheferi Nabissou. Le conseiller principal du Premier ministre venu de Kinshasa pour la circonstance n'a pas manqué de mots. Honorable Lingo, nous vous demandons de ne pas vous arrêter ici pour vos actions. La notabilité locale, elle, a dit toute sa reconnaissance. Pour nous, les autorités politico-administratives, cette morgue constitue un motif de fierté, car désormais, nos morts seront enterrés dignement et sans précipitation. L'honorable prince Ibrahim Lingou a écouté, échangé avec les forces vives de la population du territoire de Bondo, les femmes militaires, les personnes vivant avec handicap, les confessions religieuses et les opérateurs économiques. Les dons et autres œuvres sociales n'ont pas manqué, dont l'inauguration du pont Malouga, long de 12 mètres, et la visite de l'école Ngelenga en pleine réhabilitation. Du territoire de Bondo, l'honorable prince Ibrahim Lingou arrive à Monga, son village natal. Ici, il se soumet au même exercice. Il échange avec les différentes couches de la population locale. L'élu de Bondo, l'honorable prince Ibrahim Lingou procède à la pose de la première pierre de la construction d'une clinique moderne de Monga. De retour à Kinshasa, depuis la mort de l'ancien président angolais Eduardo Santos, un registre des condoléances a été ouvert à l'ambassade d'Angola à Kinshasa. Plusieurs personnalités défilent cette représentation. Parmi ces personnes figure Jean-Charles Okoto qui a rédigé un mot dans ses livres, une façon pour lui de rendre un hommage mérité à Eduardo Santos. Un reportage signé Cédric Yanina. À l'ambassade d'Angola pour apporter son réconfort à ce pays ami qui a perdu depuis le 8 juillet dernier son ancien président José Eduardo Santos, mort à l'âge de 79 ans. Pendant cette visite amicale avec Miguel da Costa, le député national Jean-Charles Okoto Lolakombe a présenté ses condoléances au peuple angolais. C'est une rencontre très amicale. J'ai été obligé de venir saluer mon collègue juste après la disparition inopinée. Et t'as très touché parce que j'ai eu à travailler longuement avec le président, le défunt. La raison pour laquelle je suis venu m'incliner, sachant bien que les Angolais ont laissé leur peau ici. Les Angolais nous ont assistés dans les périodes les plus difficiles. À travers tous ces souvenirs, je me suis dit je ne peux pas garder un nez sur la langue. J'ai essayé un peu de renforcer les relations bilatérales entre le Congo et l'Angola, d'aider le chef de l'État dans son offensive diplomatique. L'élu d'Elodja n'a pas manqué de reconnaître le bienfait de cet ancien président qui s'est investi pendant plusieurs années pour la paix en Afrique et en RDC en particulier. Dos Santos, ce fut presque mon papa d'ailleurs. La photo la témoigne, reconnaissance et l'attachement qu'il avait vis-à-vis de moi. Parce que là, le jour où il est arrivé à Kinshasa, c'était sur l'invitation de Mzé pour le remercier de l'assistance du peuple angolais et des gouvernements angolais, et c'est moi qui étais au centre, hein, pour pouvoir sauver d'abord l'aéroport de Ngini et en même temps libérer Kitona et le Bas-Congo en général. Le coordonnateur national du PPRD Mosaïque au sein de l'Union Sacrée a fait part de sa profonde douleur à la suite du décès de cet homme d'État. Et puis ces messages du représentant de parents à l'occasion de la journée consacrée aux parents, célébrée le 1er août de chaque année en République démocratique du Congo. Il est au micro de nos reporters. À
à l'occasion de la journée dédiée aux parents par le gouvernement de la République, je voudrais, en votre nom, adresser les hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait du secteur de l'éducation sa première préoccupation pour son premier mandat à la tête de notre pays. Les parents lui en seront toujours gré, surtout avec la gratuité instaurée dans les écoles primaires publiques et étendue aux écoles privées agréées en ce qui concerne l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP. En son temps, les parents lui rendront l'ascenseur. Je salue aussi les ministres sectoriels pour les réformes initiées en vue d'atteindre la qualité tant recherchée de notre éducation, tombée trop bas à cause des antivaleurs que nous combattons de toutes nos forces. Nos cœurs saignent abondamment à cause du génocide dont sont victimes les parents, les élèves et les étudiants, ainsi que nos membres de famille comptés en plusieurs millions de morts. Toujours en votre nom, je demande très respectueusement au commandant suprême de nos forces armées, de la police et de sécurité, de prendre toutes les mesures qui s'imposent afin de mettre fin à ces supplices endurés depuis plus de 22 ans. Préparons-nous pour envoyer massivement nos enfants à l'école dès la prochaine rentrée scolaire et académique. Une délégation congolaise est actuellement en mission économique et commerciale aux États-Unis. L'objectif de cette mission est de faciliter les partenariats pour les secteurs privés de deux pays. L'ANAPI qui prend part à la mission a eu une série d'échanges avec quelques partenaires. Un commentaire de José Baïtombo. C'est dans le cadre de la mission économique et commerce que mène depuis quelques jours une délégation de la République démocratique du Congo que s'est tenue cette séance de travail entre l'équipe de l'Agence nationale pour la promotion des investissements conduite par son directeur général Anthony Kinzo Kamole et les départements de l'emploi et du développement économique de l'État de Minnesota avec à sa tête Gabrielle Gerbeau, directrice exécutive du bureau commercial de l'État du Minnesota. Au centre de leur discussion, la question des opportunités d'affaires et des partenariats à développer dans le secteur clé lié à la croissance économique de la RDC, tels que l'agriculture, l'énergie, le transport et les mines. Les parties ont convenu d'un plan d'action à dérouler dans les prochaines semaines, notamment l'organisation conjointe d'une mission économique et commerciale américaine en RDC, afin de concrétiser ces partenariats économiques. Le président de la Chambre de commerce américaine en RDC, le délégué de QTB CDC et le président de la diaspora africaine de Minnesota ont participé à ces échanges. Une visite à la Chambre de représentants de l'État du Minnesota pour des échanges informels avec quelques responsables du Parlement local a bouclé la séance. Pour rappel, l'ANAPI et la Chambre de commerce américaine ont signé en mars 2020 un protocole d'accord visant à favoriser l'expansion du commerce et des investissements entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Cette mission économique et commerciale a pour objectif de faciliter la création de partenariats au niveau du secteur privé de deux pays. Fermeture du siège de l'Assemblée provinciale de la province du Tanganyika. Comité provincial de sécurité au siège de l'Assemblée provinciale pour faire le constat et rendre effective la décision préventive de sa hiérarchie administrative. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, Yav Mukayajan, a remis symboliquement au gouverneur Julien Ngongo Mayuma les clés des bureaux de l'Assemblée, qui à son tour les a remises à son ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, qui assurera désormais le suivi de l'application de cette mesure. En rappel, cette fermeture intervient après que 5 membres du bureau de cette Assemblée aient été déchus par 15 députés majoritaires et leur remplacement par un autre bureau élu. En date du mardi 26 juillet, les membres de l'ancien bureau, en contestation de leur déchéance, ont pris d'assaut le siège de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, se faisant accompagner par les militants du parti politique ACO et des jeunes désœuvrés pour une attaque physique aux membres du bureau en fonction et procéder à la destruction méchante des bureaux administratifs après avoir blessé quelques députés du camp majoritaire. Ainsi donc, aucune activité ne peut se dérouler au sein de cet organe délibérant provincial jusqu'à nouvel ordre, et ce, conformément à l'esprit du message du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo Okito-Akoi.
Aussitôt installé, le gouverneur du Sankuru s'est lancé dans l'assainissement de sa province à travers son programme Opération Sankuru Bopeto, dans ses reportages que vous allez suivre, signé par notre confrère Iverson Kabwaba. Gilles Lodi a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de quelques artères de la province et leur assainissement. Reportage. Après le lancement des travaux de réhabilitation de routes d'intérêt provincial, le gouverneur Gilles Lodi Emongo a lancé les travaux de Sankuru Bopeto à partir de la ville de Lusambo devant les autorités provinciales et la population. Tous mobilisés pour accompagner le chef de l'exécutif provincial dans la matérialisation de la vision du chef de l'État axée sur le développement des entités territoriales. Bien avant ce lancement des travaux d'assainissement, le gouverneur Gilles Lodi s'est entretenu avec la population sur la réforme des développements amorcée par les chefs de l'État qui placent les intérêts du peuple en première position. Gilles Lodi a également poussé sa population à la consommation locale, une politique qui vise le renforcement de l'économie locale. L'assainissement est un facteur important de notre développement, mais aussi un facteur aussi extrêmement important de notre santé. Mais cela s'inscrit essentiellement dans le programme du chef de l'État qui veut qu'on ait non seulement l'enseignement de base, qui est non seulement obligatoire, mais gratuit, mais qu'on ait ce qu'on appelle la couverture universelle sanitaire. Le chef des chantiers, Gilles Lodi, a remis les outils du travail en commençant par le président AI de l'Assemblée provinciale, l'honorable Frédéric Mukuna Nyombo, le membre de son gouvernement provincial et le maire de Lusambo. Un coup de pioche exécuté par tous les officiels à la place du triangle à la clôture de cette cérémonie. Remise officielle des matériels de cantonnage manuel à l'Office des voies de desserte agricoles du Congo central. Ces outils vont permettre aux cantonniers de cette province d'entretenir des routes de desserte agricoles. Grâce Maosso pour les détails. Des outils de cantonnage manuel à l'OVDA rentrent dans le cadre de la composante renforcement de la gouvernance locale et des capacités institutionnelles du PROADER, avec l'appui financier de la Banque africaine du développement dans sa partie don, a fait savoir le secrétaire général au développement rural, l'ingénieur Georges Kochi. Il a soulevé aussi que c'est pour soulager les difficultés que rencontrent les paysans de l'évacuation de leurs produits agricoles des sites de production. De venir à ce que ce matériel arrive à destination, les villes servent uniquement aux personnes pour lesquelles ils ont été achetés et à l'OVDA de faire bon usage au grand bénéfice de notre population rurale. Il a par la suite remis symboliquement ses matériels aux représentants du gouverneur. C'est à la grande satisfaction de tous. Nous disons merci au projet PROADER que nous allons accompagner loyablement. Le ministre provincial du Congo central, en charge du développement rural, représentant du gouverneur et d'autres participants à ces assises ont adressé leur gratitude au ministre du développement rural, François Roubota, par le biais du secrétaire général pour cet important lot des matériels qui permettront de désenclaver les milieux ruraux de la province. Matériel constitué de pelles, pioches ou machettes, brouettes et autres. Il s'est tenu à l'Université libre de Kinshasa un atelier de sensibilisation sur l'importance et l'avantage du système licence master en République démocratique du Congo, ainsi que son impact professionnel. Explication dans ses reportages signé Serge Mata. En vigueur en République démocratique du Congo, les systèmes licence, master, doctorat est nouveau et utilise un langage nouveau qu'il faut obligatoirement apprendre pour bien les comprendre. C'est l'une des raisons qui explique la tenue de cette activité. Au cours de cette séance de sensibilisation des futurs étudiants et étudiants, le professeur Jean-Lucien Kitima, recteur de l'Université libre de Kinshasa, a présenté le système LMT, ses caractéristiques, ainsi que ses avantages pour l'étudiant et pour l'université. Le système licence, master, doctorat, a-t-il souligné, vise à faire de l'étudiant les véritables vecteurs d'emploi. Il a également insisté sur le rôle qu'il doit jouer l'étudiant afin de réussir et les différentes formations qu'il vient de suivre les professeurs de cet établissement dans le but de s'adapter dans cette mutation du système d'enseignement en République démocratique du Congo. Le cadre idéal est à l'attente de tous ceux qui, finalistes, se cherchent encore et qui n'ont pas
lever l'option ou que les parents ne se sont pas encore décidés pour l'inscription. Jean-Lucien Kitima a saisi également cette occasion pour remercier les présidents du conseil d'administration de l'Université libre de Kinshasa, Médard, Bompoko, Bokété, Sela, pour la mise en disponibilité de ces cadres éducatifs adaptés pour améliorer l'apprentissage des étudiants des supérieurs en République démocratique du Congo. Le cinéma congolais bientôt valorisé, Bibi Kroubwa, Kabibi pour ceux qui l'ont découvert à travers le film La vie est belle, s'est engagé à promouvoir le cinéma congolais. Cette actrice de cinéma séjourne déjà à Kinshasa où elle réalise un nouveau film avec quelques acteurs africains et congolais. Jean-Pierre Ndoulou Demazou pour les commentaires. Kabibi, de son vrai nom, Bibi Kroubwa, s'est engagée à promouvoir la culture congolaise à travers le cinéma. Cette ambassadrice congolaise qui a longtemps séjourné à l'étranger est originaire du Grand Bandundu, septième d'une famille de 10 enfants. Elle a été actrice principale dans le film La vie est belle de Dieudonné Ngangoura Mwenze. Qu'a-t-elle fait depuis le tournage de ce film La vie est belle? Kabibi, après La vie est belle, Kabibi a continué ses études à Kinshasa. Elle a eu son diplôme d'État, puis après elle a fait trois ans de graduat à l'Institut supérieur de commerce. Et par amour, Kabibi est allée s'installer en Suisse. Bibi Kroubwa, alias Kabibi, prépare actuellement un film avec quelques acteurs africains, un film entièrement congolais. Pour l'instant, nous sommes encore au stade de casting. Le script a déjà été écrit, mais nous sommes encore au stade du casting. C'est un film qu'on va commencer le tournage à la fin de l'année. L'ambassadrice congolaise se lance dans le cinéma congolais, un domaine qui n'est pas très connu sous l'échiquier international. En politique, les cadres militantes et militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social réaffirment leur soutien au président de la République et condamnent le propos discourtois, selon eux, de Jean-Marc Kabound à l'endroit de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez cette déclaration. Président fédéral légaux et légitime de l'Union pour la démocratie et le progrès social, en sigle UDPS Tshisekedi, investi conformément au statut de l'UDPS, leur article 23.10 annéa E, par le suffix de l'imité, le feu docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba de Reuse Mémoire, avions suivi avec étonnement des propos discourtois et mensongères tenus par Jean-Marc Kabunda Kabunda, honorable député national de son État, envers notre cher parti et sa haute autorité politique de référence, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cher honorable, la main noire qui demeure derrière vous et que vous prétendez servir vous a trompé. Sachez que l'UDPS Tshisekedi n'est pas un parti comme les autres, parce qu'elle s'est battue sur le partage de souvenirs communs d'une lutte non violente à main nue et victorieuse contre l'une des plus sanguinaires dictatures d'Afrique. Le sang de nos combattantes et combattants innocents et martyrs a coulé dans ce pays à cause de l'UDPS. Ce sang est en train de crier de la terre vers Yahweh, le créateur du sang. Toute personne qui piétine et qui viole intentionnellement les textes statutaires qui sont les principes des lois et des commandements qui font le pacte de l'UDPS Tshisekedi se moque de ce sang, des innocents martyrs qui a coulé pour la cause noble. C'est-à-dire, elle se moque de Yahweh, créateur du sang. Et jamais on ne se moque pas de Dieu. Fin de citation. Et la province du Sud Kivu, en proie à l'insécurité créée par de nombreux groupes armés, est soumise depuis plusieurs années au sous-développement. Avec l'appui de la maison civile du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ses ressortissants vivant à Kinshasa ont adopté l'idée d'une table ronde sur la paix et le développement de cette province. Rikin Juzimayawel pour les détails. À corps et à cri, le Sud Kivu veut la paix et rien que la paix pour son développement. En présence du président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo, leur majesté, les Bami et autres notables du Sud Kivu, les participants à la conférence préparatoire de la table ronde sur la paix et le développement de cette province, ont adhéré unanimement à l'initiative de la Ligue des leaders pour la paix et le développement, l'IPAD, sous le haut patronage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,
et la modération du chef de la maison civile, Dr Bruno Mitéo, de la restitution de la synthèse des travaux de la concertation stratégique des acteurs politiques et sociaux majeurs sur la paix et le développement au sud. Kivu, l'état des lieux de la collaboration des tribus de cette province dans la recherche de la paix, des sujets qui ont conduit à l'interaction et appel à contribution. Journée sanctionnée par une déclaration finale où tous acceptent l'organisation d'une table ronde sur la paix et le développement au sud Kivu. Sud Kivu, il y a vraiment la prolifération de groupes armés, que ce soit locaux et étrangers. Il y a le sous-développement qui est constaté au sud Kivu et tout ça font partie des questionnements que la LIPAD met en face des fils et filles du sud Kivu pour réfléchir ensemble afin de sortir la province de ce fléau. Les participants recommandent l'inclusivité de tous et l'appropriation de ce processus, tout en approfondissant la problématique des groupes armés, notamment concernant la motivation de leur création, leur mode de financement et identifier les tireurs de ficelles, ce avant de rentabiliser les diverses potentialités du Sud Kivu pour son développement socio-économique. Voilà, fin de ce journal de la journée sur les antennes de la télévision nationale congolaise. Merci de l'avoir suivi et restez toujours en position d'écoute en compagnie des programmes de la télévision nationale congolaise. Bon après-midi chez vous.